Bonsoir mesdames et messieurs, personne à la maison. Bienvenue à TGI, téléjournal de l'incompétence en direct. Un verre de lait c'est bien. Deux c'est mieux. Trois parfois. Quatre par quatre. En tout cas. Qu'est-ce que c'est donc? Des livias au bon goût de blé d'Inde, de pâté chinois. Qu'est-ce que c'est bon? Des livias. Ici, on faisait des huîtres. Oh non, pas des huîtres. J'ai eu mal au ventre pendant deux semaines. C'était vraiment intense. Peut-être qu'il y avait avant de les ouvrir. Les ouvrir. Tu vas aller les ouvrir? Avec les huîtres mécaniques, tout est comestible. Eh bien bonjour, je suis Gaëtan et je vais vous présenter la circulation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trafic sur le boulevard Shibugamo. Les klaxons sonnent et les insultes crient partout. Sur cette autoroute, je ne vois absolument rien. Est-ce que vous en êtes sûr, Gaëtan? Non. Merci, Gaëtan. C'est Gaëtan pour TGI. Alors, maintenant, Gaëtan en Afrique. Gaëtan, vous êtes là? Vous avez l'air essoufflé. Oui, je viens de courir là-bas, l'Afrique. Et c'est ça, je suis très essoufflé. Ok, mais qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez en Afrique? Je ne comprends pas. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse tempête de neige et de grêle. Et ça fait mal, et c'est ça. Mais s'il y a une tempête, est-ce que des secours vont venir? Eh bien, du sel et des pelles seraient plus appréciés. C'était Gaëtan pour TGI. Bonjour, je suis à l'école Jean-Roger Hubert. Il se passe une guerre d'aliments. Plus précisément, une guerre de légumes congelés. Alors, ouch. Je vais vous quitter car je vais devenir l'homme congelé. Pendant que le présentateur n'est pas là et qu'il prend un petit peu trop cette émission à la légère, je vais le remplacer. Alors aujourd'hui, l'insulte du jour. Tu sais même pas comment remplacer un présentateur. T'es viré. T'es que... Censure. Stop là, c'est à moi, ok? Censure! Oui, alors comme nous l'avions dit dans le début de l'émission, il va y avoir une petite partie consacrée à l'horoscope. Alors, les balances, qui sont nées du 24 septembre au 23 octobre, le moment est peut-être venu de faire un peu de ménage dans votre tête, avec votre nez. Ensuite, le printemps commence. Profitez-en pour faire le tri dans ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Donc, si vous êtes laid ou laide dans un habillement, jetez-le à la poubelle, ça va être mieux. Pourquoi vous encombrez les vieux concepts? Pour le fun. Ensuite, Verseau, qui est né du 21 janvier au 19 février. Au début du mois, vous avez l'énergie du jeune Alexandre s'apprêtant à conquérir le monde. Si vous appelez Alexandre. Si vous n'en réalisez qu'une partie, ce sera déjà beaucoup. Conquérir le monde. L'humanité a besoin de vous. Vous êtes important. Et il y a beaucoup de personnes capables comme vous qui peuvent repousser les frontières du monde inconnu. Donc, vous n'êtes pas le seul. Les lions, du 23 juillet au 23 août. N'essayez pas de tout contrôler, laissez le plus de place à l'imprévu. C'est peut-être ainsi que vous obtiendrez ce que vous voulez. Tenez-vous prêt à sauter sur les occasions en or qui se présentent à vous. Personne ne peut garantir de qu'est-ce sera fait votre futur. Peut-être que vous mourrez demain. C'est pas très gai, mais c'est vrai. Alors, merci beaucoup. Passons à la prochaine. Bonjour et bienvenue à la météo d'aujourd'hui. Ouais, d'aujourd'hui.
Hier, il faisait 15 degrés. Aujourd'hui, il faisait 30 degrés. Et avant-hier, il faisait moins 45 degrés. Un gros changement de température, hein? Et c'était tout pour la météo. Le présentateur, c'est parce que la météo, c'est pour savoir qu'est-ce qu'il va faire dans les prochains jours. Mais on s'en fout des prochains jours. C'était hier qui était important. On gelait ou voulait savoir comment il faisait? Merci d'avoir écouté TGI, Téléjournal de l'incompétence. Merci, à demain.